Bonjour, très heureuse de vous retrouver en cette fin d'année 2023 pour faire un petit peu l'analyse rétrospective de cet exercice de haute voltige. Pour se livrer à cet exercice très, on va dire, difficile, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un économiste émérite, un chercheur universitaire qui n'est plus à présenter, Monsieur Najib Arsbi, bonjour. C'est toujours Bonjour. un plaisir renouvelé de vous retrouver et de discuter autour de thématiques d'actualité qui ont marqué Le une plaisir est année, partagé. un exercice, on va dire, de haute voltige, comme ceux qui ont précédé, avec bien sûr des actualités nationales et internationales assez diverses et qui, quelque part, impactent bien sûr le Maroc sur le plan interne, aussi bien sur le plan économique que social. Donc, pour démarrer, est-ce qu'on peut avoir une sorte d'analyse rétrospective de l'exercice qui touche à son terme, notamment l'évolution des indicateurs économiques et sociaux dans un contexte, comme on a dit, quelque peu difficile, hein? Bien, eh bien, 2023, sur le plan économique, moi je dirais, c'est l'an 2 de la stagflation. Mais dire que 2022, c'était la première année. 2022, malheureusement, sur ce plan, se confirme pour des raisons très très simples. C'est quoi la stagflation? C'est la stagnation plus l'inflation. L'inflation. Et on a donc 2023 sur le plan économique, c'est en fait une année croissance en berne, inflation persistante, chômage en hausse. En gros, voilà, je prends trois indicateurs significatifs pour caractériser cette année. Alors, un peu plus dans le détail. Croissance, on va faire 2,5. Après, le 1,3 de 2022, de croissance du PIB, hein, on va faire cette année, selon les dernières, le HCP et le dernier chiffre de Banque Maghreb, on est entre 2,4 et 2,7. On va être, je pense, autour de 2,5. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que 2,5, on est très 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 loin du compte. On est loin de tout. C'est-à-dire, et de la promesse du gouvernement actuel dans son programme qui promettait 4%, ce qui n'était déjà pas fameux. On est loin des 6-7% prévus par le dit modèle de développement. On est, je dirais, tout simplement très très loin de ce qu'il est absolument nécessaire. Je dirais d'abord pour simplement résorber le chômage. Alors, ou maintenir simplement le chômage au niveau où il était. Je vais y revenir, hein. Le pic des Donc, 13%. c'est une croissance molle, malheureusement, qui se confirme. Qui se confirme, c'est clair que quand on voit sur une durée d'une dizaine, quinzaine d'années, on est dans un train tendanciel, baissier. Et donc, c'est ça, j'insiste sur cela parce que au-delà de la conjoncture, encore une fois, au-delà des années qui peuvent être pluvieuses, pas pluvieuses, de sécheresse, etc., au-delà des conditions, des circonstances internationales, des crises internationales, de leur impact, on est sur une tendance On va dire à qui a terme, peut-être on n'arrive commencé, pas. qui n'était pas déjà fameuse, 4, 4,5, on est tombé à 3,5, on est maintenant à moins de 3. On peut dire sans trop, compte tenu même des chiffres prévisionnés pour 2024, 2025, on peut dire que cette mandature va se terminer autour de 3%. 3%, c'est assez désespérant, hein, pour l'économie du pays. Deuxième, alors, voilà pour la stagnation. L'inflation, prenons là aussi les derniers chiffres. On est au-dessus de 6. Là aussi, en fonction, le HCP parle de 6,6. Le Banque du Maghreb dit qu'on terminerait l'année autour de 6,1, 6,2. On est au-dessus de 6. Je vous rappelle quand même que en 2022, je pense en juin 2022, Banque Maghreb nous promettait de revenir à un niveau de 2, c'est-à-dire le niveau qui était avant, en 2023. En 2023, hein, on reste. Alors, c'est clair que d'un mois sur l'autre, Il y a une il y a une décélération. timide décélération. Ça, c'est incontestable. Est-ce que c'est
suffisant pour tout simplement prendre au sérieux les projections officielles. Hein. On nous parle à nouveau maintenant, prenez la loi de finances 2024, les prévisions, on nous parle de 2,5, 3, etc. Et on doit bien savoir une chose très simple, c'est que, au-delà encore une fois des conditions internationales, qui peuvent reprendre du jour au lendemain malheureusement, hein, une tension internationale qui viendrait de ci ou de là, c'est d'ailleurs récurrent à l'exercice. Et les cours mondiaux repartent à la hausse, et compte tenu de notre dépendance structurelle et croissante, aussi bien au niveau des produits alimentaires que des hydrocarbures, etc., ben les prix risquent à nouveau de repartir. Mais je dirais, au-delà de ça, au-delà de cet impact international, on oublie simplement de souligner que pour l'essentiel, les raisons fondamentales de l'inflation au Maroc sont internes et sont structurelles. Internes et structurelles, on a fait cette analyse plusieurs fois, mais quand on garde en tête que les raisons sont internes et structurelles, difficile de projeter une baisse aussi importante de l'inflation à court terme. Sans les mécanismes. Alors que les politiques fondamentales à même de prendre à bras le corps ces causes fondamentales, je répète, internes et structurelles, ne sont pas prises. Donc, on est là aussi, est difficile de penser que ce rythme, qui peut, je répète encore une fois, continuer à décélérer, mais qui reste extrêmement fragile, précaire. Troisième élément, ben, évidemment, le chômage. Le chômage, là aussi, les derniers chiffres du HCP nous annoncent d'abord, c'est quand même assez grave, hein. Là, on a perdu presque 300 000 emplois sur le troisième trimestre 2022, le troisième trimestre 2020. Là, c'est quand même assez marquant, hein. Et y compris, alors qu'on ne dise pas que c'est simplement le monde rural, l'agriculture, etc. On a perdu presque 30 000 en milieu urbain. Avec un taux de chômage de la jeunesse qui est... Alors, taux de chômage 13,5, on a pris 2 points en un an. 2 points, c'est-à-dire on est à 13,5. Alors évidemment, comme vous le signifiez, avec des taux qui sont très élevés, 17% je crois en milieu urbain, 17%, hein, 38% pour les jeunes, 20% pour les femmes. C'est ça les réalités. Hein. Donc, on est, vous voyez, même lorsqu'on essaye d'attribuer le chômage à la faiblesse de la croissance, vous voyez, ce qui est assez... Enfin, il faut bien savoir que, là aussi, il dit tout à l'heure que nous stagnons au niveau de la croissance. Mais en réalité, même si celle-ci s'accélérait, nous savons, toutes les études le montrent, officielles et pas officielles, hein, depuis 10, 15 ans là aussi, que la croissance au Maroc ne génère pas suffisamment d'emplois. Nous sommes sur un train de là aussi baissier en longue période. C'est-à-dire que là où un point de croissance pouvait donner 30, 40, 50 000 emplois il y a 10, 15 ans, nous sommes maintenant sur un point de croissance qui donne au mieux 15 000, 20 000 emplois. C'est quand même assez, très, très inquiétant. Alors donc, vous voyez bien, au gros, 2023, c'est malheureusement en deux de la stagflation. C'est globalement une économie qui continue finalement sur un train d'enlisement, difficile de le dire autrement, hein, et d'enlisement en fait, non seulement dans la faiblesse de la croissance, mais dans l'aggravation des conditions structurelles là aussi du chômage. Hein. On n'a malheureusement peut-être pas le temps de parler de tout et d'aller au fond de chaque question, mais... je répète, encore une fois, on a une croissance qui génère peu d'emplois parce qu'en réalité, structurellement, les fondamentaux de l'économie marocaine ne créent pas. Ils ne sont pas appelés, même dans les prochaines années, hein, à créer plus d'emplois. Donc là, on va passer sur un autre sujet, c'est celui de la soutenabilité des finances publiques. Depuis l'arrivée de cet exécutif, donc on répète en boucle cette... idée ou cet effort de récupération des marges budgétaires, mais quand on voit
le déficit actuel avec son corollaire, l'endettement, est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie de récupérer ces marges budgétaires? Est-ce qu'on peut parler d'une une bonne soutenabilité des finances publiques? Bien sûr, au regard de tous les projets qui sont à venir et que l'exécutif est appelé à financer. D'abord, regardons au regard de ce qui est, tout simplement, on verra par la suite. Que signifie soutenabilité quand on a une situation de ce qui, c'est vrai comme étant les équilibres du Trésor, les équilibres du budget de l'État. Regardez les données dans la loi de finances 2024. À mon avis, il y a un chiffre clé. Évidemment que les responsables n'ont pas intérêt à mettre en évidence. Malheureusement, même dans la presse, on en parle très très peu. Ça s'appelle le besoin de financement brut du budget de l'État. Besoin de financement brut. Savez-vous à combien il s'élève ce chiffre? C'est le chiffre, regardez dans la loi de finances. 187 milliards de dirhams. 187 milliards. On est là à 14-15% du PIB. On n'est pas à 4-5% qu'on montre pour la presse, pour l'opinion publique, pour les institutions internationales. On est à 14-15%. C'est ça le vrai. Moi, le vrai déficit. Inquiétant. C'est un déficit de financement. Parce que, ensuite, pour présenter les 63 ou 64 milliards de déficit, justement, j'allais dire présentable, c'est-à-dire 4,5 du PIB. Mais il faut s'endetter pour 123 milliards de dirhams. C'est ça la variable d'ajustement. C'est chaque année maintenant, entre 120 et 130 milliards, l'année dernière, je crois que c'était 129 milliards, de dirhams d'emprunt nouveau. C'est devenu endémique. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on emprunte 123 milliards, ça rentre dans côté recettes du budget, mais côté dépenses du même budget, on va sortir 101 milliards. Service de la dette. Ça veut dire, et je vous dis, on prend ça depuis plusieurs années, hein, on est déjà dans ce cercle vicieux. De la dette, c'est un piège. De la dette qui fait que chaque année, on doit s'endetter. Non pas pour se développer, non pas pour investir ou créer des emplois, etc. Mais simplement, pour l'essentiel, 80-90% des nouveaux emprunts sont là, juste pour rembourser la dette qui s'est accumulée. Est-ce qu'on peut parler de soutenabilité? Si vous voulez, s'il faut parler de soutenabilité, on est dans la fuite en avant. C'est une vraie fuite en avant. Alors, si on peut parler de soutenabilité dans la fuite en avant, folle, hein? Je vous rappelle quand même que ça, c'est très coûteux, hein, tout ça pour l'État. Quand je ne sais pas si vous voyez les 101 ou 100, la centaine de milliards de services de la dette qui vont sortir du budget de l'État, hein, cette année, bah, faites les comptes. C'est une fois et demie le budget de l'éducation nationale dont on fait, hein, c'est 3 fois et demie le budget de la santé. Voilà, trois fois et demi, budget de la santé. J'ai envie de vous interpeller justement face à cette situation. Quelle lecture faire un petit peu des éloges des institutions internationales à l'égard du Maroc? C'est un peu... C'est un sujet, je veux bien vous répondre si vous me donnez plus de temps. Parce que voilà, c'est un moment... Mais bien évidemment, moi j'ai Je sais que ce sont des banques qui donnent des crédits. Là aussi, très froidement, très froidement. Les institutions, la Banque mondiale par exemple, ou le Fonds, ce sont des banques. Et une banque, par définition, elle fait de l'argent avec de l'argent. Et elle fait de l'argent, évidemment. Il faut que l'argent qu'elle a soit rentable, et évidemment, sûr. Donc, un client, en l'occurrence le Maroc, qui, quel que soit X, rembourse. Tant que vous remboursez, il n'y a pas de problème pour eux. Il n'y a aucun problème. Vous êtes... vous êtes un bon élève. Très solvable. Évidemment, parce que, vous imaginez, on ne va pas prêter à un mauvais client. Donc à partir du moment où politiquement on a décidé de prêter, politiquement et aussi parce que, je vous rappelle, c'est une bonne affaire. Le Maroc, pour la Banque mondiale FMI, c'est une très bonne affaire. C'est un bon client. On peut placer de l'argent chez lui,
ils nous remboursent sans problème, même s'il faut saigner se saigner à l'intérieur, pas de problème, ils remboursent. Donc c'est un bon client. Et à partir du moment où on le prête, on est obligé, mais bien, ça c'est le jeu diplomatico-hypocrite de ces institutions, à partir du moment où on prête à un pays, ben, il faut dire qu'il est, effectivement, qu'il est, c'est un bon pays, c'est un bon élève, solvable. Etc. Ouais. Mais enfin, ça ne résiste pas une seconde. Ben, au fait, à toutes, les données que n'arrête pas de sortir. Donc ça, à mon avis, ça n'est plus, ce n'est même plus intéressant. Vous voyez, honnêtement, hein, ça n'a aucun intérêt. On sait que ces institutions, c'est d'abord des prédateurs. C'est des prédateurs. C'est les prédateurs en puissance de notre temps. Donc, elles ont le monde à leur disposition. Elles font leur étude de marché. Elles ciblent les pays qui les intéressent parce que, je répète encore une fois, ils leur permettent de placer leurs capitaux à la fois de manière rentable et sûre, donc c'est rentabilité et sécurité, qu'est-ce que voulez-vous d'autre? Vous voyez, n'importe quel investisseur, rentabilité, sécurité, c'est merveilleux. C'est donc, il cible les pays comme ça, et le Maroc est un pays ciblé, c'est à l'évidence. Vous voyez, et tout le reste n'a aucun intérêt. Tout le reste, on va le gérer. Quand il y a un problème, on va dire, bon, on va vous donner encore plus d'argent, il n'y a pas de problème, parce qu'on sait que vous allez rembourser, et ainsi de suite. De facilité. Le drame, c'est que, répète encore une fois, ça... Je vous assure, hein, ça, vous voyez, il suffit d'avoir un peu les tripes du pays, un brin de nationalisme pour se dire, mais quand même, je veux dire, on n'a pas besoin d'être au gouvernement, responsable ou pas responsable, il suffit d'être un tant soit peu patriote, je le dis, oui, patriote, hein, pour savoir comment notre pays est l'objet d'une énorme prédation de la part de ces institutions et d'autres d'ailleurs, ce n'est pas les seuls. Hein. Oui. C'est révoltant. Ouais. Mais c'est à défaut aussi de, on va dire, comme vous l'avez dit, l'outil budgétaire est quelque peu malmené actuellement, mais quid de l'outil monétaire, hein. Mais vous avez justement, vous dites l'outil budgétaire, parce que je ne voudrais pas donner simplement l'impression que, ben, c'est encore une fois la faute chez les autres, etc. C'est évident que les responsabilités internes sont énormes. Et justement, je vous ai parlé d'un indicateur qui est celui besoin de financement, budget. Pour le relier justement avec les responsabilités internes, c'est évident qu'on en est là. Parce que les ressources propres du pays, les ressources internes mobilisées par le budget d'État, et donc ça veut dire pas d'abord le système fiscal, hein, ne sont pas à la hauteur. Si on en arrive à un gap de financement aussi important, 15% du PIB, c'est que les ressources internes ne sont pas mobilisées. Or, si elles ne le sont pas mobilisées, tout simplement parce qu'il n'y a pas, et pas encore, et toujours pas, une véritable réforme fiscale. On a un système fiscal, là aussi, prenez les chiffres, de 2024. Vous savez, moi j'ai un concept que je vérifie chaque année, ça s'appelle le taux d'autosuffisance fiscale. C'est un concept, c'est un ratio extrêmement significatif. C'est-à-dire que vous mettez au numérateur les ressources fiscales qui restent dans le budget de l'État, mais tout le système fiscal, hein, ce qui rapporte au budget de l'État, et au dénominateur, ben vous mettez les dépenses du budget de l'État. En clair, vous voulez savoir votre système de financement interne, qui est le système fiscal, qu'est-ce qu'il vous permet de couvrir, quelle est la part qu'il vous permet de couvrir de vos dépenses publiques. Dans l'histoire, il est arrivé où ce taux est arrêté de 85%. 85%, on peut être un peu tranquille. Aujourd'hui, on est à 56%. Vous imaginez? C'est-à-dire, quand vous êtes à ce niveau d'insuffisance, de couverture des dépenses par les ressources propres du pays, de l'État, ben forcément, vous êtes dans les bras des prédateurs que sont les prêteurs. Et donc, vous allez dans l'endettement et vous vous enfoncez et c'est la fuite en avant et ça continue. Voilà. C'est un piège dont on a souvent parlé, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Et malheureusement, on voit que ça persiste encore à ce jour, justement, sur cette question aussi de la réforme fiscale dont on attend parler, M. Arsenault. Alors, sur la politique monétaire, je crois que c'était on a eu trois hausses successives du taux directeur. Alors, et maintenant, on est au troisième maintien des 3%. Donc, en quoi cela pourrait servir à sortir de cette conjoncture, on va dire. Vous savez, quand
Banque de Maghreb a commencé à relever les taux. 1,5, 2, 2,5, 3. Quel était le débat? Le débat, c'était de dire ces relèvements alors, peuvent être efficaces ou pas efficaces. C'est une chose. Et on peut en discuter. Mais ce qui est clair, c'est que ça va à l'encontre d'un coût du crédit acceptable pour les investisseurs, pour les entreprises, et donc ça va à contre-courant des velléités de relance du gouvernement. C'est le gouvernement lui-même qui l'a dit. Donc on était un peu à contre-courant. Okay. Maintenant, on s'aperçoit, enfin, on l'a dit, là, encore une fois, on l'a dit, relèvement des taux directeurs dans le contexte marocain, dans le contexte d'un secteur bancaire qui est oligopolistique, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est le Walid Bonkamareb qui se plaint tout le temps que c'est les fameux effets de transmission. Ne joue pas, ne fonctionne pas. Ne fonctionne toujours pas lorsque les taux sont à la baisse. Là, on aurait aimé que ça ne joue pas. Mais en réalité, là, on sait que dans l'ensemble, c'est-à-dire que les banques aient répercuté les hausses à 100%, ou 80%, ou 120%, c'est, peu importe. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que, objectivement, ce niveau de taux d'intérêt, aujourd'hui, tel qu'il est, le niveau de taux d'intérêt est une charge financière décourageante, on va le dire comme ça, moins qu'on puisse dire, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Oui. Et alors donc, on voit que d'un côté, l'impact sur l'inflation, maintenant regardons froidement les choses, l'impact sur l'inflation, je viens de voilà. Vous dire qu'on reste à plus de 6%, alors que Banque Maghreb justifiait d'ailleurs les hausses des taux d'intérêt à chaque fois, je vous parlais des chiffres, des prévisions en juin 2022, décembre 2022, etc. À chaque fois, Banque Maghreb justifiait le relèvement des taux par le fait de terrasser l'inflation. Ben, l'inflation, elle est toujours là. Elle est toujours. Donc le moins, d'ailleurs, entre parenthèses, ça fait quand même plusieurs fois, puis l'année dernière, qu'on demande, l'opinion publique demande, vous les journalistes, vous demandez à la Banque du Maroc ben, de présenter des études d'impact. En clair, vous avez relevé quel est l'impact. Si vous avez eu... si vous avez eu ces études, je vous serais reconnaissante de me les communiquer. On les attend toujours. On les attend toujours, malheureusement. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis désolé. Hein. Moi, on veut me convaincre, on présente des études claires, nettes, je prends acte. Si on ne me dit rien, je suis plutôt porté à croire que si études il y a eu, leurs résultats ne sont pas, comme on dit, publiables. Alors, est-ce que, à votre avis, il serait plus judicieux de retourner vers une politique monétaire accommodante, étant donné que le taux d'inflation décélère de manière timide? Oui. Je vous dis maintenant la situation, encore une fois. L'outil des taux directeurs, c'est ça qu'il faut examiner. Est-ce que cet outil à manipuler est pertinent, est efficace? Est-ce qu'il a un effet ben, c'est ça la vraie question, dans le sens de la hausse ou de la baisse. On sait qu'en réalité, mais ça, encore une fois, on est en train de payer les conséquences de la libéralisation anarchique de la politique monétaire et de la politique de crédit de post-ajustement structurel. Hein. On sait que l'État, en réalité, ben, c'est dessaisi de ces instruments d'action de politique monétaire, puisque vous parlez de politique monétaire. Plus de possibilités d'agir directement sur le crédit, plus de possibilités d'agir sur le taux d'intérêt, même quelquefois les réserves, etc. Donc l'État s'est dessaisi des moyens d'agir de manière efficace sur les politiques de crédit, parce que c'est en dernier lieu, c'est quand même ça qui est en question. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'on a un outil qu'on essaye de manipuler en sachant parfaitement quelles en sont les limites, en sachant parfaitement qu'en face, on a un secteur bancaire qui, en dernier lieu, fait ce qu'il veut. Oui. Donc, vous me dites, est-ce qu'on revenir à la politique accommodante ou pas? Honnêtement, on ne s'attaque pas au problème de fond, au problème structurel, encore une fois, de fond, ça n'aura pas plus d'effet à la hausse qu'à la baisse. Hein. Alors, on va... Ou à la baisse qu'à la hausse.
Tout à fait. On est au terme donc de l'année 2023. On essaye de se projeter sur l'exercice prochain, 2024. À votre avis, quels sont les leviers de croissance, on va dire, parce que c'est ça le nerf de la guerre, finalement, la création de richesses, avoir cet effet de ruissellement qui va bien évidemment impacter les indicateurs sociaux. Moi, je pense au pouvoir des ménages, au PIB, au taux de chômage, etc., au taux d'activité, surtout des jeunes et des femmes. Quelles sont les pistes d'une vraie relance économique ? 2024, et vous le savez bien, vous parlez de moteurs de l'économie, quels sont les dynamos de Absolument. L'économie. On sait qu'ils sont principalement deux. Il y a d'une part le ciel, la pluie, la campagne agricole, et on le sait ça. Les corrélations sont à ce jour encore, c'est réel depuis 40 ans, plus de 40 ans, c'est encore aujourd'hui. Il faut regarder le ciel, il faut espérer qu'il pleuve. Voilà. Si malheureusement nous sommes nous sommes le 21 décembre, voilà. faut encore espérer, mais on peut pas dire qu'il y a eu quelques de ça et là, quelques pluies. C'est encore, tout le monde sait que c'est encore très insuffisant. Tout le monde sait aussi que la vraie campagne agricole, en fait, n'a pas encore commencé. Hein. Donc, ça, c'est le premier moteur, plus que problématique. Deuxième moteur, c'est l'extérieur. C'est la demande externe. Or, là aussi, quand on connaît la situation, d'abord, de notre principal partenaire, qui est l'Europe, les prévisions de croissance des institutions internationales pour l'Europe ne sont pas très encourageantes. Hein. L'Europe au niveau des différents blocs, est un des continents où le taux de croissance est le plus faible et où ça va mal, hein, de manière générale. On ne peut pas dire qu'on a un partenaire qui va nous pousser vers le haut. Puis, je dirais, il y a aussi, encore une fois, ce n'est pas simplement les autres, c'est aussi nous. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour faire en sorte que réellement, la demande interne ou externe, hein, qu'on soit clair, interne ou externe, ben, soit réellement un moteur de la croissance. Moi, je dirais, pour être peut-être, je veux rester lucide et voir quand même quelques éléments peut-être d'optimisme. Moi, je dirais, il y a effectivement, les investissements, notamment dans les énergies renouvelables. Je pense que c'est important, dans les ports, dans les... Alors, j'ai juste envie de dire, là encore une fois, attention, attention, attention. Investissement massif ne signifie absolument pas croissance, création d'emplois. Là aussi, j'ai dit tout à l'heure, on a une croissance qui ne génère pas assez d'emplois. Le problème, on le sait là encore une fois, puisqu'on parle des chantiers d'infrastructures, encore, comme on en parle depuis 20 ans. On a fait des études. Vous connaissez le fameux ICOR. Vous savez qu'au Maroc, 30% de taux d'investissement génère 3-4 points de croissance. Alors qu'ailleurs, 30% génère 8-10% de croissance. Donc, on a là un vrai problème. Difficile de se dire, parce qu'il y a des... Ce qui est vrai, et j'espère que ça va se réaliser, parce que de toute façon, on est dans une situation, je dis, je vais le dire en arabe, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes dans des profils d'investissement, qui sont les investissements d'infrastructures essentiellement, qui ne génère pas suffisamment ni de croissance importante et durable, ni encore moins, je dirais, d'emploi durable. Donc, il ne faut pas se faire... C'est bien, c'est mieux que rien. Ça permet peut-être au pays de se préparer pour les 10 années suivantes, mais pour l'instant, il ne faut pas se faire d'illusions. Le deuxième élément, je dirais, c'est... qu'on appelle, disons, la protection sociale, la distribution de revenus directement. Sur le plan du principe, je trouve que c'est une très bonne chose. On ne va pas, encore une fois, j'ai passé des années à demander le revenu direct, ce que j'appelle, moi, depuis 2012-2013, le revenu de la dignité. Il semble qu'il soit en train d'arriver, je le souhaite de tout cœur,
Et donc, on ne va pas critiquer. Maintenant, toute la question encore c'est une fois. C'est de la pérennité, la viabilité. Comme la question, on n'a pas le temps de parler de l'état social, parce que là aussi, c'est un gros mot. On met là-dedans n'importe quoi. Mais une émission pour faire, simple, pour revenir à la question du financement, le meilleur des états sociaux du monde n'a de valeur que lorsqu'il garantit ses conditions de financement de manière suffisante, pérenne, durable, fiable. C'est ça. Or, malheureusement, là aussi, regardez, moi j'ai écouté les déclarations gouvernementales, c'est du bricolage qu'on est en train de faire. C'est du bricolage. On est en train de nous dire, on va piquer 2 ou 3 milliards d'ici, on va économiser 3 ou 4 milliards, etc. Ça n'est pas durable. C'est des choses qu'on peut, à la limite, on peut boucler le financement pour 2023 ou 2024. D'une année, mais l'état social, on dit la protection sociale généralisée de cette ampleur, c'est dans la durée. Les revenus directs, c'est durable. Et croyez-moi, la déception risque d'être autrement plus grave, plus lourde de conséquences. Parce que vous savez, vous distribuez quelque chose, vous habituez les gens à obtenir quelque chose. Si un jour, les conditions de financement ne vous permettent pas de continuer, c'est très grave. Donc, le bémol, c'est ça. On peut relancer d'une certaine façon, on peut relancer à partir d'une composante demande interne. C'est-à-dire, le fait quand même de distribuer des revenus, pourvu que ça soit de manière un tant soit peu équitable, on peut effectivement arriver à animer un petit peu la consommation, peut-être avec les projets, par exemple avec les subventions au logement, etc. On peut peut-être booster la demande interne. Mais c'est ça reste très largement insuffisant, et deux, surtout, faut faire attention aux effets pervers. Alors, on sait là aussi, l'histoire est là pour nous dire, aussi bien les investissements, les grands chantiers, leurs effets pervers, ben, on les voit devant nous, donc attention aux effets pervers, et puis aussi de la stimulation de la demande par simplement du social. Ce n'est pas le social qui va créer de manière durable. Je ne dis pas, il faut du social, c'est évident, ce n'est pas moi qui vais le dire le contraire. Mais ce n'est pas suffisant. Mais là, une reprise durable et suffisante de la croissance passe d'abord quand même par l'économie. Ben, on espère que pour cet exercice 2024 qui s'annonce donc dans quelques jours, on arrivera à, on va dire, faire sauter quelques verrous. On en parle depuis plusieurs années. On espère aussi que le ciel sera clément. Et donc la saison agricole sera, on va dire, moyenne ou bonne. Hein. On croise les doigts pour qu'elle soit bonne. Monsieur Najib Arxbi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de s'abreuver de vos analyses pertinentes. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur universitaire, économiste émérite. Merci encore une fois de nous avoir accueillis et je vous souhaite bien sûr une bonne année 2024. Merci. Merci à vous aussi. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.